Pour expliquer le RGPD, il est nécessaire de pouvoir revenir aux origines en fait de la loi informatique et liberté. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le RGPD découle des principes de cette loi informatique et liberté. Donc tout a commencé en 1974 où le gouvernement a mis en place un projet de loi dont l'acronyme était Safari, et l'objectif de ce projet de loi, de cette proposition de loi, était de créer une base de données monumentale qui concernait tous les citoyens. Et donc l'objectif était d'être en capacité de pouvoir croiser toutes les données des citoyens autour d'un numéro unique, qui était le numéro de sécurité sociale. Donc en 1974, on est encore aux prémices de l'informatique, c'est-à-dire que l'informatique n'est pas grand public et est principalement utilisée au niveau de l'État pour arriver à gérer un grand nombre de fichiers. Donc suite à ce projet de loi, en fait, le Monde s'est saisi du sujet, il a créé un article, il a écrit un article pour dénoncer en fait ce projet. Qui est assez fondateur pour nous, qui était Safari ou la chasse aux Français. Donc cet article a eu un impact assez considérable sur l'opinion publique, et donc il y a un tel point qu'en fait cet article a forcé le gouvernement à faire machine arrière, et plutôt que de créer cette base de données gigantesques, ça a créé une sorte de conscientisation des problématiques que pouvait avoir le traitement informatisé à large échelle. Et ce projet a été transformé en une loi qui est la loi informatique et liberté, qui est dont l'objectif est de protéger les citoyens contre l'informatisation. Contre les dangers potentiels de cette informatisation de la société. Donc c'est en 1978 que la loi informatique et liberté a été créée, qui a été créé un organisme chargé de son application, qui est la Commission nationale informatique et liberté. C'est en 91 où l'informatique a vraiment explosé avec l'arrivée d'Internet. Donc cette fois-ci, en fait, cette problématique de fichage généralisé ne concernait plus que le gouvernement, mais donner la possibilité également aux entreprises de collecter un grand nombre d'informations sur les citoyens. Donc, avec la démocratisation de l'informatique et l'arrivée d'Internet, ces problématiques informatiques et liberté ont été démultipliées. En 1995 est arrivée une nouvelle directive au niveau européen. Dont l'objectif était d'harmoniser les pratiques, ces problématiques informatiques et liberté, de pouvoir les harmoniser dans toute l'Europe. Donc ça, c'est la directive de 1995, et dont un des principes fondamentaux était de demander à tous les États membres de l'Europe de disposer d'un organisme de régulation basé sur les principes de la CNIL. Donc en 2004, il y a une réforme majeure de la loi informatique et liberté pour l'adapter aux nouvelles pratiques. En 2016, a été créé le LINC. Le LINC est le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL dans lequel je fais partie. Et en 2016 a été voté un nouveau règlement européen, donc le RGPD, dont l'objectif était de pouvoir pallier aux différentes interprétations qu'il y avait pu avoir avec la directive. Il faut voir que le principe général, c'est qu'une directive doit être transposée dans la loi nationale, tandis qu'un règlement a une application qui est harmonisée entre tous les États membres. Et donc, c'est en 2018, l'année où la CNIL a fêté ses 40 ans, que le RGPD a été appliqué et qui est maintenant notre régime à tous. Donc, la loi informatique et liberté avec application du RGPD n'a pas été supprimée. Elle vient seulement préciser
des dispositions là où le règlement européen laisse des marges de manœuvre pour chacun des États membres. Donc, d'une manière générale, en fait, le principe général, que ce soit pour la loi informatique et liberté ou le RGPD, c'est que l'informatique doit être au service des citoyens. Elle ne doit jamais porter à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Donc, en fait, c'est ce principe qui était fondateur de la loi 1978 et que le RGPD n'a fait que prospérer. À appliquer sur l'ensemble des États membres. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces principes-là, qui datent de 1978, semblent aujourd'hui aller de soi, mais il faut se rappeler qu'en 2010, ce n'était pas les leitmotivs de la plupart des grosses entreprises du web. Si on reprend, par exemple, en 2010, la logique qui sous-tendait. Qui est à l'origine un petit peu de ces grandes entreprises, c'est d'une manière générale, en fait, on était plutôt sur une défaite, une logique de défaite, en indiquant qu'au final, c'est les grosses entreprises, c'est la surveillance qui a gagné. Si on prend un discours de Mark Zuckerberg qui à peu près voulait indiquer que en fait la vie privée était une norme sociale et qu'au final cette norme avait tendance à ce sentiment de ce besoin de vie privée avait besoin de disparaître. Et d'ailleurs on voyait ces évolutions dans ces services mondialisés. Donc par exemple Facebook à une certaine époque avait une approche d'ouverture par défaut de plus en plus de données. C'est-à-dire que lorsqu'on s'inscrivait sur Facebook, au fur et à mesure, on se rendait compte que par défaut, en fait, de plus en plus de données que l'on donnait au réseau social devenaient accessibles publiquement et sans nécessité de donner son accord ou même d'être inscrit sur la plateforme. Donc ça, c'était en 2010. Entre-temps, il y a eu les révélations de Snowden sur la NSA, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica et toutes les problématiques liées à justement une mauvaise gestion de la vie privée par ces grandes entreprises. Et aujourd'hui, en fait, l'argument de la vie privée pour toutes ces entreprises est devenu un argument commercial. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui... avant, ne mettaient pas cette notion de vie privée de l'utilisateur au centre de leur intérêt, ont complètement changé de cap et on peut voir que même une entreprise comme Facebook et Google, l'un de leurs premiers arguments désormais est que le futur est privé. Donc, on voit qu'il y a eu une véritable prise de conscience récemment et une véritable prise de conscience et un changement de paradigme et qui montre que toutes ces logiques-là ne sont pas des vieux principes de 78, mais au contraire. C'est actuel, c'est des problématiques qu'il faut désormais intégrer dans chacun dans chacun de ces usages de l'informatique. Donc, pour revenir un peu à l'approche européenne de la protection de la vie privée, il faut comprendre que autant la loi informatique et liberté que le RGPD, au final, sont des textes qui sont qui ont une grande applicabilité, qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement efficaces. Leur définition, la définition même de l'article 2 est sur ce qu'est une donnée à caractère personnel. Et on voit que cette définition va être extrêmement large. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui va être relative à une personne physique ou identifiée, ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification, ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Donc une donnée à caractère personnel, ça peut être une information qui est directement identifiante, donc comme un nom, un prénom, une adresse ou une photo.
Ça peut être aussi tout ce qui se réfère à une personne sans être directement identifiante. Par exemple, une adresse IP, une plaque d'immatriculation. Et parmi ces données, il y en a certaines qui ont été identifiées comme particulièrement sensibles. Donc, on parle ici de l'ADN, des empreintes biométriques, du numéro de sécurité sociale. Pourquoi elles sont déterminées comme extrêmement sensibles, comme particulièrement sensibles? C'est qu'en fait, c'est des informations qui sont constitutives d'un lieu dit. Elles sont irrévocables. Si un jour ces données venaient à être diffusées sans aucune protection, l'individu ne pourrait en changer. Il ne peut pas changer d'ADN, il ne peut pas changer ses empreintes biométriques. Donc en fait, c'est des données qui ont un fort potentiel un fort potentiel de risque s'il venait à être détourné. Donc une fois qu'on a cette notion de données à caractère personnel qui est extrêmement large, tout traitement, donc ce qu'on appelle un traitement de données à caractère personnel, ça va être toute manipulation de ces données à caractère personnel, doit respecter un certain nombre de principes qui ont été instaurés par la loi informatique et liberté et qui continuent à exister avec le RGPD. Donc ces grands principes sont d'une part la limitation des finalités, donc c'est-à-dire avoir un but bien précis dans le traitement qui doit être bien décrit, qui doit être bien délimité, la minimisation des données, donc c'est-à-dire qu'il est interdit de collecter plus de données que nécessaire pour réaliser ce traitement, ce but, la licéité, la loyauté, la transparence, donc au final c'est de déterminer, c'est de fournir une information qui va être adéquate, c'est-à-dire que la personne doit être bien consciente de pourquoi est-ce qu'on collecte ces données, dans quel but, donc avoir une information qui va être complète et exhaustive, avoir une base légale, déterminer en fait une justification pour réaliser ce traitement et être transparent vis-à-vis de celui-ci. Donc, il y a les autres obligations sont bien évidemment l'exactitude des données, que ces données soient toujours correctes, exactes, et qu'elles ne fassent pas peser un risque par leur incohérence, leur modification sur la personne. La limitation de la conservation, c'est-à-dire que lorsqu'on collecte des données, eh bien on ne les collecte pas pour un temps indéfini, on les collecte pour la durée qui est nécessaire à la réalisation de cette finalité. Et ensuite, une notion qui va être fondamentale dans le RGPD et autant dans la loi 62, depuis la loi de 78 au RGPD, c'est la notion de sécurité et de confidentialité. C'est-à-dire que quand vous confiez une donnée à quelqu'un pour réaliser un traitement, on va qualifier cette personne comme responsable de ce traitement. C'est lui qui prend la charge de ce traitement et il est redevable vis-à-vis de ce traitement. Et donc, il doit entourer ce traitement d'un certain nombre de mesures de sécurité pour s'assurer que ce traitement se réalise dans des conditions de confidentialité. Et ensuite, cette personne doit pouvoir respecter les droits, que sont les droits d'information, de consentement, de rectification et de rectification qu'on verra tout à l'heure. Donc il y a quelques nouveautés avec le RGPD qui sont d'une part le critère de ciblage, donc c'est-à-dire que autant la loi informatique et liberté ne s'appliquait qu'au traitement qui était réalisé sur le territoire national, avec le RGPD, ces traitements s'appliquent toujours concernent les traitements qui s'appliquent sur le territoire européen. Mais également tout traitement qui concerne des concerne des personnes européennes. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on a une extraterritorialité de l'application du RGPD. Le RGPD instaure le principe d'accountability qu'on verra. On a un montant de sanctions qui a été rehaussé. Il y a un partage de responsabilité entre le responsable de traitement et l'ensemble de ses sous-traitants, parce qu'avant, la loi informatique et liberté ne concernait que responsable de traitement. Cette fois-ci, en fait, on a une application qui est un petit peu plus homogène et un partage de responsabilité en fonction des traitements. Et ce nouveau droit qui est le droit à la portabilité, qui est le sujet aujourd'hui et que l'on développera pendant toute la journée. Donc, que fait la CNIL
vis-à-vis du RGPD. Donc, en fait, à l'origine, tout traitement de données à caractère personnel devait être déclaré à la CNIL. La CNIL devait mener une analyse de ce traitement, s'assurer de la conformité, s'assurer de la conformité de ce traitement et prendre une décision pour autoriser ou non le traitement. Elle avait un deuxième pouvoir qui était celui de pouvoir contrôler ce qui était réalisé au sein des entreprises. Donc, elle avait le pouvoir de réaliser des contrôles dans les entreprises, donc, c'est-à-dire de vérifier la conformité des traitements vis-à-vis de la loi. Donc, pour cela, elle a la possibilité de réaliser des contrôles et elle avait un certain nombre, une échelle de sanctions si elle détecte une non-conformité qui va de l'observation à la mise en demeure, voire à la sanction générale. Donc, ça, c'était le principe de la CNIL en 2010. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, de l'évolution des traitements, et en fait, il n'était plus possible de pouvoir agir ainsi, c'est-à-dire de regarder tous les traitements et à partir de 2010, on est plutôt rentré dans des principes d'applicabilité, c'est-à-dire que la CNIL crée un certain nombre de référentiels, de règles, et les responsables de traitement se déclaraient comme conformes à ces règles imposées. Et donc, depuis 2018, en fait, le pouvoir de le rôle de la CNIL a changé. Donc, on est passé plutôt d'un rôle de vérificateur global à plutôt un rôle d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire qu'avec le RGPD, mais en fait, au final, le RGPD, ce qu'il a apporté, c'était le principe d'accountability. Donc, c'est-à-dire que c'est au responsable de traitement de mettre en œuvre un certain nombre de procédures, de mécanismes pour prouver leur conformité. Donc, ça va passer par des registres de traitement, des analyses de risque, la mise en place d'un DPO, d'un Data Protection Officer à l'intérieur même des entreprises pour réaliser cet accompagnement, et la mise en place d'un certain nombre de codes de conduite et des certifications qui vont permettre de pouvoir prouver qu'un traitement est conforme. Donc, la CNIL, elle, va donc jouer ce rôle d'accompagnateur vis-à-vis des nouveaux traitements et le rôle de guichet unique au niveau européen. C'est-à-dire qu'elle va devenir une interface privilégiée pour les entreprises européennes pour toutes problématiques qui vont être transfrontalières. Donc, cela permet en fait de pouvoir apporter de la cohérence, du suivi dans toutes les problématiques qui doivent être gérées vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel. Donc en fait, ça c'est pour la partie contrôle a priori, c'est-à-dire que le contrôle a priori a été modernisé, a été révolutionné grâce au RGPD. Le contrôle a posteriori, lui, subsiste, et avec des sanctions, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont été largement rehaussées. Donc voilà, donc on a compris, vous avez compris le principe en fait. La CNIL, de manière générale, en fait, sa mission principale est celle de pouvoir accompagner l'innovation pour que l'innovation se fasse toujours avec la confiance, se fasse toujours dans le respect des citoyens. Et donc, elle n'est pas une empêcheuse de tourner en rond. En fait, la plupart de nos travaux, 80% de nos travaux, vont être des missions d'accompagnement. Et donc, vous trouverez un grand nombre, justement, de ces principes, de ces travaux d'accompagnement, que ce soit sur le site de la CNIL, que ce soit sur notre blog, link, sur lequel on mène un certain nombre d'expérimentations. Vous trouverez également ces missions d'accompagnement dans le collectif EduCNIL, qui a été créé par la CNIL pour pouvoir accompagner les jeunes dans leur usage sur Internet, pour accompagner les parents pour mieux maîtriser justement cet outil informatique. Et vous trouverez sur le site de la CNIL, vous trouverez énormément de guides, énormément de conseils qui vont permettre de pouvoir vous accompagner soit à l'exercice à la mise en place de l'exercice de vos droits
si vous êtes une personne concernée par un traitement, soit pour mettre en place votre traitement si vous êtes une entreprise. On a également une mission d'exploration dans le cadre d'e-Link, où vous trouverez un certain nombre de publications sur notre blog qui concernent un grand nombre de sujets. Donc, ça va de l'objet connecté au partage de données sur Internet, à la Smart City, sur des principes de création. On met en place un certain nombre d'expérimentations qui vont nous permettre d'avoir des indicateurs sur les pratiques et qui vont permettre de pouvoir sensibiliser sur certaines problématiques. Donc, par exemple, on a sorti le logiciel CookieList qui permet de pouvoir visualiser les traceurs qui sont déposés par les sites. On a réalisé son pendant pour les smartphones qui permettent de comprendre en fait le traçage auquel un utilisateur, un possesseur d'un smartphone peut être soumis à travers son smartphone. Et vous trouverez également d'autres projets que l'on a pu faire, donc une database RGPD qui va permettre de mieux comprendre en fait la problématique générale du RGPD et la complexité du RGPD. En tout cas, qui va pouvoir permettre de pouvoir simplifier les liens qui se trouvent entre les différents articles. Et on a sorti également un outil qui permet de réaliser une analyse de risque pour vous accompagner en fait dans cette obligation que l'on verra tout à l'heure. Donc voilà, pour finir, donc voilà quelques chiffres sur l'ampleur de notre mission. Donc, les chiffres 2019. On voit bien qu'en fait, en termes d'action, en fait, notre principale action, c'est d'informer les personnes, que ce soit à travers des appels, de pouvoir répondre à des plaintes, et que c'est le principe de contrôle et de sanction n'est vraiment qu'une petite part de notre activité. Donc voilà pour une petite présentation du RGPD vraiment très rapidement et sur nos missions, sur qui on est vis-à-vis de celui-ci. Voilà, on creusera un petit peu plus tout à l'heure en fait les différents aspects du RGPD.